بطبيعة الحال كانت مباراة قوية ضد فريق اللي هو قوي كيف لاحظتوا، يعني الإيقاع كان مرتفع في الشوط الأول، مع الأسف ما تمكناش من إحراز الفرص أو سجيل أهداف في الشوط الأول، خصوصا المحاولة اللاعب الرحيمي في الشوط الثاني، لكن هذه فقط مقابلة بدية. نحن نعيد الفريق من الناحية البدنية أول شيء، ومع مرور الوقت إن شاء الله سيكون الفريق أحسن. أي مدرب أو أي طاقم تقني يعيد يعني الجمهور بإحراز على الألقاب فأعتقد أنه كاذب. هذا مع مرور الوقت حسب المباريات التي سيقدمها الفريق من طبيعة الحال على أرضية الميدان. هناك روح قتالية، هناك تكتيك محكم، هناك إحراز الفرص التي تتاح للاعبين. أما الحديث عن إحراز الألقاب فأعتقد أنه شيء مبكر. Toutes les équipes ont démarré la préparation il y a maintenant un mois. On s'attendait plus à démarrer mi-août et on va démarrer avec beaucoup de retard. C'est on va dire une contrariété pour tous les clubs qui, comme le Raja, préparent les compétitions africaines. On va jouer une compétition africaine et on va se retrouver ensuite à avoir beaucoup de matchs de championnat à jouer au moment où, je l'espère, on aura des échéances importantes. Donc j'aurais préféré démarrer plus tôt. Maintenant, il faut respecter cette décision-là, s'adapter. Encore une fois, le but c'est on va simplement adapter notre préparation pour être prêt dès la semaine prochaine pour la Champions League et bien sûr le mois prochain pour le championnat. Ouais, je suis très satisfait, l'état d'esprit dans le groupe est excellent. L'objectif c'est vraiment cette saison de garder l'identité du Raja, une équipe joueuse, une équipe technique, mais avec beaucoup plus de potentiel athlétique, avec beaucoup plus de rigueur défensive. Je suis complètement satisfait, on a des joueurs qui reviennent petit à petit, qui ont été absents des terrains pendant un moment et qui reviennent petit à petit à leur meilleur niveau. On a encaissé que 3 buts durant cette préparation avec beaucoup de défenseurs qui ont encore beaucoup de travail parce qu'ils sont en manque de temps de jeu pour beaucoup d'entre eux, des titulaires notamment. Donc c'est vraiment, je suis très satisfait de ce que je vois pour l'instant. Maintenant, il faut qu'on continue de travailler, de monter en puissance. Bon, c'est en début de saison, le problème de finition est toujours souvent le plus difficile à améliorer. On sait qu'on a perdu un buteur, mais on vient de recruter un attaquant. Il va y avoir on travaille également sur éventuellement un autre profil de joueur offensif. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une saine concurrence au niveau de nos joueurs, au niveau offensif. Et je suis persuadé que le plus important, c'est d'avoir la capacité de se créer autant d'occasions. Si on continue comme ça et qu'on commence à concrétiser, ça va devenir très intéressant.